ça t'étend, ça fait rire. Tu peux le calmer, s'il te plaît, je sais pas ce qu'il a. Oh, assieds-toi, je te dis. Assieds-toi, je te fais plus fort de ballon. Assieds-toi. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Ouais, mais c'est légal, tout le monde en paye, je vois pas où est le problème en fait. Bah, en fait, le problème c'est. Moi, y a pas de problème, tu vois, mais ce qui me choque, c'est que déjà on est dans un parc pour enfants. Et que ça, c'est nocif pour la santé. Y'a personne. Non, y'a personne, mais on est dans un parc pour enfants. T'as déjà fait ça alors qu'il y avait des gens? Mais non. Bah, si. Ah, bah alors, je les ai pas vus alors. Bah, écoute, c'est pas grave. Alors, c'est tellement bien que j'ai pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, ça, que toi, tu le fasses, c'est une chose. Mais. Que tu fasses faire ça à ton. Tu sais que ça bloque des cerveaux, ça. Ça fait du mal, c'est nocif, ça. Attends, j'explique. Moi, j'ai eu des échos que ça faisait rien, mais après, ça fait des mois et des mois qu'on en fait. Donc, je vois pas où est le problème, en fait. Mais tu mets tes chaussures. Comme ça, il travaille bien à l'école, il a des bonnes notes. Ouais, voilà. Mon papa, quand il me dit que t'as des bonnes notes, il va m'acheter une bouteille comme ça. Toi, tu me mets dans la merde, toi, en plus. Il te met pas dans la merde, parce que tu dis que c'est pas nocif. Bah, ouais, mais en attendant, on se détend. Il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi le petit il a pas de chaussures. Pourquoi t'as pas de chaussures toi? J'ai pas de chaussures. Pourquoi tu fais ça? Non, en fait, c'est fait. Pourquoi t'as repris la pas de chaussures? On a un plein hiver, gros. Non, les chaussures ils sont. Il les a déchirées comme. Je les ai jetées, ils sont dans la poubelle là-bas au fond. Il les a déchirées. Pourquoi il a pas de veste? Il a pas de veste, pas de chaussures. J'ai un pull, ça suffit, on est au soleil. Il est bien, c'est ce que je te dis. C'est... Fais voir ça. Quoi, tu veux faire un ballon? Non, regardez, parce que je connais pas. Tiens, on va se gazer le crâne, moi. Je connais pas trop, tu vois. Vraiment là, quoi. Oui, mais ça va, tiens, je vais pas te la voler, je crois. Que je... Merci. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que tu fasses ça avec le petit, tu vois. Parce que. Ça, c'est la maltraitance. S'il vous plaît, vous pouvez partir. Tu peux t'asseoir, Théo? Non. Assieds-toi, sinon tu as plus de bonbonnes. Assieds-toi. Vous faites ça tout le temps avec le petit? Ouais, tous les jours. Tous les jours, vous faites des bonbonnes? Quasiment. Et combien vous en passez de bonbonnes par jour? Deux. Deux par jour? Ça dépend des jours. Ça dépend. Et le. Ah, à Noël, il m'a offert, tu vois, les petites capsules pour à l'école, on me mettait dans les toilettes, mais je faisais tout. C'est toi, je te dis. C'est toi, ouais, tu veux que je te ramène à ta mère? Tu veux que je te mette deux gifles ou quoi? Et sa mère, elle sait que tu lui fais faire ça? Non. J'ai une question. Juste une question. Pourquoi tu viens? Les emmerder, les. Parle bien, toi. Je t'ai pas pris comme ça. On est tranquille. Tu viens, tu nous déranges. Tu es la police, tu es Superman, tu es qui? Alors moi je t'explique qui je suis, moi je suis pas, parce que là tu es en train de m'énerver, je suis pas la police. Non, moi tu es en train de m'énerver, non, toi aussi, toi aussi. Tu es en train de m'énerver, si tu veux pas que je te marre devant ton fils, reste tranquille. Je te dis juste un truc, non mais délire pas, je vais te mettre un coup de tête. Je t'explique juste que moi ici. Tu vois, j'ai un enfant, je viens ici, je te vois faire des bonbons avec ton fils, j'ai pas besoin que mon fils y voie ça. Ni son fils, ni n'importe qui en fait. Tu as compris, tu comprends là ou pas? Alors tes bonbons de merde, tu veux les faire, tu prends, tu te casses, mais tu les fais pas avec ton fils. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi j'appelle l'assistance sociale maintenant. T'as compris? Regarde. C'est écrit là. Là. C'est écrit danger. Tu sais lire danger? Voilà, bah y'a écrit danger. Voilà. Tu y'a plus de bonbonnes, y'a plus de bonbonnes. Parce que y'a plus de bonbonnes. Parce que y'a plus de bonbonnes. Moi tu me jettes, y'a plus de bonbonnes. Toi avec ton fils. Toi avec ton fils. Je te frappe devant mon fils. Je te frappe devant mon fils, quoi. Ah, écoute-moi bien, arrête. Que depuis tout à l'heure, tu fumes. Vous voulez quoi? Comment ça, je suis filmé? Depuis tout à l'heure, je suis filmé. Ouais, tu es filmé depuis tout à l'heure. Ouais, tu es filmé depuis tout à l'heure. Ouais, tu es filmé depuis tout à l'heure. Vous voulez quoi? Assieds-toi, t'as quoi? Pour 10 ans, tu fais faire des bonbons de merde. Et alors, comment ça, je suis filmé? Comment ça, je suis filmé? Et on va marrer là en plus là. Ça, c'est un micro ça. Comment ça, c'est un micro? Depuis tout à l'heure, tu es filmé, tu es enregistré. Ça fait une les vidéos. On va les amener au fond. Comment ça, c'est youtubeur? Je crois que c'est là, là. Ces expériences sociales de merde là. Tu vois, le petit, je crois que c'est normal qu'il délire comme ça. Mais. Il a la frappe. Mais frère, je parle à mon fils. Comment ça, c'est un youtubeur? Tu me dis maintenant? Mais quand t'es malin, comme tu m'as dit là le micro. Non, mais toi, tu vas arrêter les ballons, toi. Tu commences à. Tu me le dis 100 ans après, toi. Bah écoute, toi. Et comment ça, je suis filmé? Moi, je suis parlé. Comment ça, je suis filmé? Elle est où la caméra? La caméra est dans ton cul. Quoi? On va faire, on va aller au commissariat, on va mener les images. Qu'est-ce que tu as? Mais elle est où ta caméra? La caméra, je te dis pas où elle est. Moi, je te dis juste qu'on va prendre les vidéos, on va les amener au commissariat. Comment ça? Ah oui. C'est bon, vas-y, on s'excuse, on rentre chez nous. Ouais, c'est bon, vas-y, non, calme. Mais non. Je te la fais pas douce, ça, je peux attraper. Mais toi, ferme ta gueule, toi. Tu donnes le numéro à ta mère, toi. Parle ta mère. Parle bien, j'ai pas de téléphone. Parle bien, écoute, bien, arrête sur le voyou. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller au commissariat, on va amener les images. Non, si, je peux pas tolérer ça, en plus. Je fais le voyou, en plus. C'est bon, je t'excuse. Voilà, je m'excuse. Voilà, désolé, ma chef, viens, on rentre à la maison. La bouteille, les ballons, on te les laisse. On t'enlève les ballons. On va les jeter à la poubelle. Ouais. Déjà, commence par ramasser les ballons. Déjà. Parce qu'il y a des ballons partout par terre et tout là. Mais des ballons partout hein. Ça aussi ils en ont plein le cul. Jette. Et
Bon. Moi, ce que je veux. Je peux pas si tu recommences avec le petit. Non, mais... Je sais que tu vas refaire des bonbons avec le petit. Non, mais c'est bon, c'est non, bon, j'arrête, c'est bon. Vas-y, viens, demande-moi bien. Le petit pied nu et tout. Ah, les on peut laisser comme ça, quoi, il va recommencer. Même si on a ajouté la bonbonne, il va là, là, ce qu'il va faire, il va prendre 25 euros et il va se reprendre une bonbonne. Non, mais là, là, il faut appeler la mère, là, non? On peut pas le laisser comme ça, là. Oh! Attends. Viens me voir, viens. Attends, viens, 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 viens. Non, ça arrive, viens. Viens, je suis pas flic, arrête, je suis pas flic. Je suis pas flic. Je suis pas flic. Mais je t'explique. Moi, je veux être sûr que t'as compris la leçon. Ouais, bah, c'est bon, en vrai, tu veux m'envoyer des images que j'en savais. Mais, en bas, c'est soit. Soit tu viens avec nous et on te fait une petite. Le petit, je le mets où moi? Viens venir avec nous, t'inquiète pas. Mais faire quoi? Faire quoi? Mais tu veux m'emmener où? Tu veux m'emmener au commissariat? Non, je t'emmène pas au commissariat. Tu viens avec nous, on va. Lui, il connaît mes vidéos en plus. On va te faire. Mais attends, il vient de dire le petit, tu me fais passer pour une guignole. Oui, mais je te floute, je te floute. Tu seras flouté, sinon te floute pas. Il floute? Ouais, je crois, ouais. Ouais, je floute. Je te floute sur les vidéos. Et tu vas me faire quoi? Je vais te donner une bonne leçon. Ce que tu risques si je veux commis ça, c'est maltraitance sur un enfant mineur, mise en danger d'autrui, et en plus, c'est considéré un peu comme de la drogue, donc. Mais c'est légal. C'est légal, mais c'est pas légal de. Je vais faire avaler un peu, j'ai 13 ans. Si c'était légal ou pas pour un enfant? Si, tu le sais très bien. Tu sais lire? Et je sais pas lire l'anglais, bon allez. Arrête de faire le commissariat. Lâche-moi. Donc arrête et tu viens avec moi. Oui, je vais te suivre, mais lâche-moi. Ne me tiens pas. Je sais marcher. C'est un truc de fou comme ils font les. Lâche-moi. C'est un truc de fou. Lâche-moi. Lâche-moi. Oui, je viens avec toi, mais lâche-moi. Lâche-le et suis-nous, toi. Ah, Théo. Viens, papa. Viens. Allez, viens, on y va. Viens. Ne touche pas. Viens avec moi. Mais dis pas, te le touche pas, tu fais faire des bonbons au petit après. Et alors? Tu as vu ce que tu lui fais faire? Donc les amis, on va montrer l'arrangement. Dans 3, 1, hop, hop, hop. Mais d'abord la pub. Bon, bref, voilà, maintenant que la pub est passée, les amis, voilà, voici l'arrangement. Alors, en fait, je t'explique. Je t'explique comme le froid. Quand est arrivé sur Marseille, qu'on commence vraiment à faire froid, on a dit, on a trouvé un déguisement en... Un rapport avec notre série. Et, ta gueule, et ta du gueule. Coup... Je jure ta gueule, je vais te ramener à ta mère. Et du coup... Ben, on l'a déguisé en pingouin. Non, maintenant, mon ami, j'aimerais bien que tu rentres chez toi en pingouin. Hein? Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa, le papa. Papa, le papa pingouin. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin. Ah, tu peux faire marcher comme un pingouin comme ça, genre? Vas-y, marche comme un pingouin, s'il te plaît. Voilà, le papa pingouin. Ouais. Ha 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 ha!